Tiens, Fred. Merci. Bon. On te voit le sourire accroché comme ça. C'est aussi simple que ça, hein. Le football, c'est voilà. C'est pas simple, mais ça procure des joies comme ça. Voilà. Ça procure des joies et quand on voit ce public, quand on voit l'engouement, ben, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, hein, pour donner du plaisir aux gens. Fred, c'est bien parce que c'est ces moments-là qui rappellent aussi la jeunesse de la vie parfois. Dans ce parcours qui est le tien, on l'a énuméré tout à l'heure, c'est comme une première joie encore ou pas? C'est quoi ça? Ça fait partie de mon histoire, c'est une joie. Je suis très fier d'avoir dans mon CV entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Enfin, c'est un club qui compte. Je savais en venant ici qu'il y avait une grande ferveur. Et voilà, donc je suis content, je suis heureux. J'ai eu. Coach, si on peut parler du match de ce soir. Ouais. Ça aussi, on peut être content du contenu. On a fait un bon match, ouais, ouais. On a été bien organisé défensivement, on les a bien gênés. Je pense que le nul est équitable, même si il faut couper la relation Verratti-Mbappé, il faut couper la relation Messi-Mbappé, on ne l'a pas toujours fait, mais c'est le but. Mais on l'a fait souvent, et puis il faut aussi jouer parce qu'on leur pose des problèmes, même en attaque placée. En attaque rapide, je pense qu'on a fait un match très sérieux, un très bon match. Très bon match. Fred, il y a un avant, un après, on le sait. C'est tout un symbole un peu cette soirée. Ouais. La méno, les joueurs, Dim, Kevin. C'est bien d'avoir. Je sais pas, il y a un truc. Ah ouais, mais ici, il y a un truc. Hein. Ici, c'est un club populaire, il y a un truc. Comme ils fêtent leur joueur qui a joué là depuis 10 ans. Non, il y a un truc. Ici, c'est une vraie ville de football. Ça respire le football. C'est marrant parce qu'on échangeait avec Jules, qui te connaît mieux que moi, je ne peux que te connaître. Ouais. Mais je disais, dans mon regard que j'ai extérieur, le mot qui me venait, moi, c'est un peu ce côté paysan-artisan. Tu sais, ce côté pays, le vrai, le sens noble du terme. Ouais, ouais. Et qu'à ça, Stras. Tabour, Fred, tabour. Le petit mot doux de Christophe Gallet. Ça, est-ce que je me trompe ou pas? Ouais, bah écoutez, moi je viens d'un petit village, hein, donc ça me va très très bien. Vous savez, mon grand-père était berger, voilà, mon père était menuisier, donc vous savez, je connais les valeurs, voilà, les vraies valeurs. Et ici il y a des valeurs. Comment on va travailler Strasbourg là maintenant? Parce que le chantier il est colossal là. On va savourer d'abord. Ouais. C'est quoi alors donne-moi ton programme là de demain, tu fais quoi? Ou de ce soir? Alors ce soir, j'ai un ami dans la tribune, on va aller boire un coup. Tranquillement. Et puis on va savourer et puis on verra tranquillement dans les jours qui viennent. En tout cas, bravo Fred. Merci. Vraiment infiniment vraiment, et merci bravo. De cette disponibilité. Merci Fred. Bravo. Et bravo. Eh oui, parce que c'était pas facile.